本物の貴様に勝る俺が偽物に負けるはずがないだろう。YouTube, what's up? Avant de commencer la vidéo, j'aimerais déjà préciser que c'est pas un gameplay que je commente en direct parce que je l'ai fini à genre 10 minutes la vidéo et j'ai pas aimé ce que je disais pendant la vidéo. En fait, c'était comme les autres Battle Road où j'essayais d'écrire les cartes en même temps, j'oubliais des trucs, je disais pas, des fois je disais de la merde, tout ça, donc j'ai préféré faire un commentaire un peu plus clean. Donc on n'aura pas les réactions en live de ce qui s'est passé, ça aurait été plus fun, mais bon après c'est pas si grave que ça. Donc je suis parti avec la team Super Endurance, hein, comme on peut le voir. Il a déjà commencé à dodge, il faut pas que je me concentre sur le gameplay, il faut d'abord que je me concentre sur ce que je dois dire. Du coup je suis parti avec en leader le Trunks LR qui a 90% de stats. J'ai pas pu partir en double Gotenks SSJ3 malheureusement parce que je l'ai toujours pas, donc tant pis pour ça. On a 30% de stats en moins en plus dans cette team. Après c'est pas si grave que ça non plus, enfin ça va pas changer la face du monde parce que voilà. Je l'ai déjà réussi en offline avec exactement la même composition, les mêmes cartes, même la mi-leader, là celui que j'ai pris il a deux doublons. Et celui avec qui j'étais parti il avait aussi deux doublons. Du coup qui j'ai ramené dans ma team? J'ai ramené le Végéto Blue. Donc il est à 100%, il est monté en critique, tout ça. Il est très utile pour le Battle Road, il a une mini réduction sur les auto-attaques. Je crois que c'est à hauteur de 30%, si je dis pas de conneries. Il peut partir deux fois en attaque supplémentaire. Ça arrive fréquemment qu'il puisse mettre des doubles SP, voire des triples SP si on a de la chance. Ensuite j'ai ramené le Super Végéto Endurance. Il a trois doublons maintenant, donc c'est de la folie. Il tank sur le Battle Road, ses contres ils font très très mal. Son passif il est broken dans ce mode, Voilà, c'est une unité, à mon avis, titulaire de la Super Endurance, c'est certain, et très utile pour le Battle Road en tout cas. Ensuite, le Trunks LR, pas besoin de le décrire, un arbre gratuit, SP20, il a le critique en passif et tout, donc c'est super. Critique si ça passe en tout cas. Le Gotenks, j'ai même pas regardé, écoutez, en fait, je suis parti, j'ai trouvé un Gotenks qui avait des bonnes stats, j'ai cliqué dessus, j'ai même pas cherché à comprendre s'il avait monté en attaque supplémentaire ou en critique, c'est pas grave. J'ai balancé la vidéo comme ça, je me suis dit, je vais record, si ça passe tant mieux, si ça passe pas, ça sera une prochaine fois du coup. Ensuite, j'ai ramené la Pan, qui est une très bonne unité, hein, c'est un support du coup. Elle ajoute 30% de stats en attaque et en défense. Si les HP ils sont au-dessus de 30%, donc ça va, c'est normalement on tombera pas en dessous des 30%, je pense. Je m'en souviens déjà plus. Ensuite, j'ai ramené le Gohan qui a eu son Rebirth, qui est une très très bonne unité, un des meilleurs supports d'ailleurs, je pense. Sans compter les Neo supports, parce qu'il ajoute 35% de stats en attaque et en défense. Il ajoute pas de ki, mais bon, ça aurait été beaucoup trop broken sinon. Ensuite, qui j'ai ramené d'autre? Le Gotenks qui bloque l'ASP. Alors, il est pas Dokkan. C'est normal parce qu'en fait j'ai utilisé un sablier pour le réinverser du coup et pouvoir monter sa spé là parce qu'on est aujourd'hui mardi et qu'il y a l'event tech, du coup j'en profite pour farmer sa spé. Et pour l'instant il est SP3 donc je le monte petit à petit tout ça et puis voilà, hein, j'espère le SP 10 avec tous les Gotenks que j'ai. Ensuite, du coup c'est pour ça, hein, mais après... C'est vrai que si j'avais voulu respecter le Battle Road, je l'aurais Dokkan pour occasion, mais franchement j'avais trop la flemme. Pour moi les sabliers c'est une unité, c'est un objet que j'utilise pas très souvent, mais que j'aimerais utiliser très souvent. Mais du coup vu que c'est un peu chaud d'en avoir tout le temps, parce que ça coûte quand même 30 gemmes incroyables, et ben je préfère les garder. C'est comme les orbes pour moi tout ça, c'est des trucs que j'essaye d'économiser au maximum. Même si là pour les orbes c'est un peu foiré parce que j'ai tellement d'unités, mais après je regrette pas du tout quand je vois le résultat en Battle Road ou quand je fais des tests de ma team et tout, c'est super. Là on peut voir déjà au niveau de mes items, c'est là où par exemple j'étais en train de commenter que je me suis trompé d'item, j'ai ramené le dragon là comme on peut voir à la place de ramener le Franky ou le C8, c'est comme vous voulez. Du coup j'avais que 2 heals malheureusement au lieu d'en avoir 4. Alors du coup là je me suis dit à ce moment là est-ce que je vais le passer ou pas en Battle Road, genre... Ça me paraît tendu, j'ai pas de régène et tout, en plus là c'est une team où ça serait bien d'avoir un peu de régène quand même. Et du coup là à partir de là je me suis dit, vu que en premier tour déjà, enfin contre les premiers boss j'avais pas utilisé d'item, je me suis dit
Je vais le continuer, ça peut passer, c'est pas impossible et tout. Ils ont l'air chaud en plus, mes unités, tout ça. Et du coup, voilà, hein, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, maintenant on va un peu plus se concentrer sur le gameplay. La double attaque spé, là, que quand je l'avais mis, c'était vraiment insane. Je sais pas si vous préférez que je préfère. Si vous préférez que je préfère. Si vous préférez que je commente le gameplay en direct pendant que je joue, ou plutôt que je fasse. Un commentaire par-dessus en regardant le gameplay en même temps que vous. Moi, les deux options, elles me dérangent pas, même si je préfère la première en vrai, parce qu'on a mes réactions de débile mental là. Ensuite, il y a aussi la double spé là du Végéto qui a mis tellement bien. Là, on s'est pris une spé, mais on n'a pas pris trop de dégâts. On peut voir que j'étais quand même un peu focus malgré le fait que j'étais en train de commenter en même temps, j'avais réussi à pas mal gérer au niveau des rotations, des kits, tout ça, même s'il y a des moments où j'ai un peu foiré. Là, j'ai dû utiliser un item hein, parce qu'on avait trop peu d'HP. Mais bon, on est quand même bien. Là, j'étais en train de réfléchir à partir en spé à 11 de ki avec le Gotenks, comment j'aurais pu faire. Du coup, là, je me suis dit, je vais prendre ces kills-là avec ça et je vais voir si je peux en avoir 5 avec ici. Et du coup, ça a été le cas. Du coup, j'étais content. Ensuite, je savais que pour la barre d'Okan, il fallait que j'essaye de la monter au plus vite pour pouvoir one-shot le troisième boss. Sauf que vu qu'on a fini beaucoup trop tôt les deux premiers, enfin, le premier boss et celui-là, on les a finis beaucoup trop tôt comparé à ce que je mets de temps d'habitude. Putain, je fais que m'arrêter en pleine phrase, répéter les mêmes trucs, ça me casse les couilles, c'est la fin de la journée, je suis fatigué. En plus, je dors vraiment pas beaucoup la nuit, dès que. Mais en fait, je dors pas beaucoup, j'ai l'impression de. En fait, je sais pas si ça vous le fait, vous, mais genre quand je rentre de cours ou que je rentre du travail, je me dis, là c'est mon moment, genre c'est le début de ma journée à moi où ça commence. Donc c'est pour ça que je me couche tard en fait, parce que si je me couchais tôt, je me dirais, mais en fait, je passe mon temps à me lever, à aller travailler ou à aller en cours. Et en fait, voilà, je fais que ça, ensuite je rentre, je mange, et si je dors tôt, ça fait quoi? Ça fait rebelote le lendemain, c'est bon, genre j'ai pas de vie. Alors c'est pour ça que. Je me couche tard et que j'utilise mon temps libre sur mes heures de sommeil du coup, hein, mais au moins j'ai l'impression de profiter de ma journée, ma fin de journée du coup, et voilà, enfin, je pense que c'est peut-être le cas pour tout, enfin pour tout le monde non, mais c'est peut-être le cas pour certains, en tout cas pour moi ça l'est. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, aussi sur la globale aujourd'hui, il s'est passé sur la globale, putain ça y est, je m'embrouille. J'ai envie d'arrêter de commenter tellement je dis de la merde. Sur Twitter, il y a eu des infos sur une nouvelle unité, c'est le commando Ginyu Tech et tout. Donc je me suis dit que c'était pas mal du tout, hein, l'arrivée de ça en plus, ça va. Enfin, du coup, ça re-up un peu des événements sur la partie 2 de la célébration des 3 ans sur Ajab, tout ça, donc c'est cool. Je me demandais aussi, parce que je sais que sur Twitter. J'avais vu des leaks comme quoi il disait que ça pourrait être axé plutôt vers un support. Je me demandais s'ils allaient un jour sortir une unité qui permettrait de réussir le Battle Road en Extreme Tech un peu plus facilement, quoi. Parce que à ce jour-là, franchement, j'ai vu que deux youtubeurs le réussir. C'est Calc et un anglais, je crois, le réussir. Ils avaient Zama Black 100%, que ça soit eux ou l'ami leader, il avait à 100%. Ils avaient la meilleure méta, hein. Franchement, quand j'ai regardé la team, ils avaient deux teams différentes, mais à une ou deux unités près, mais c'était la meilleure méta qu'ils pouvaient faire en Extreme Tech. Ils ont eu du mal. Alors du coup, je me suis dit, putain, avec deux LR 100%, ils ont du mal, et moi, j'ai même pas Broly, mais laisse tomber, quoi. Genre, c'est impossible. À mon avis, c'est le Battle Road le plus dur à passer, hein, l'Extreme Tech. Donc c'est pour ça que j'espère qu'un jour, ils vont... ou bientôt, qui vont sortir une unité extrême tech qui pourra nous faciliter de pouvoir faire le Battle Road. Parce que là, si je continue dans ma lancée, on va être à. Bah là, vu que j'ai déjà réussi en offline le Super Endurance il y a quelques jours, et ben là, je suis à 4 sur 5 au niveau du Battle Road en Team Super. Il me reste plus que la tech à passer. Et j'hésite toujours à savoir si je dois monter mon Gotenks SSJ3 ou pas. Je pense que je vais demander l'avis à des gens cette soirée, à des amis, tout ça. Et puis, selon leur réponse, eh ben, j'adapterai la situation. Ça serait bien parce que si je le fais, du coup, ça me permettrait de réussir le Super Tech. Et comme ça, on aura déjà fini. On aura fini
en vidéo en plus commenter le Battle Road de chaque type super. Là j'étais en train d'hésiter sur quoi, je sais plus du tout. Non, en fait là je me disais quoi. Ah oui, je me disais que là on va finir celui du milieu, je sais pas comment il s'appelle, avec le Gotenks SSJ3 parce qu'il fait trop de dégâts. Là je peux me permettre de finir le C13 ici et ensuite là j'ai pris des orbes de ki au hasard. Et là c'était le moment où je me disais il faut pas que je parte en Dokkan mode alors qu'il reste plus qu'un mec à buter. Et donc je sais plus comment c'est passé. 1 million, là il a proc une double attaque spé, mais je vous dis même pas. Là je suis en train de commenter en même temps, donc je suis pas trop focus, mais quand c'est arrivé, le nombre de double attaques supplémentaires en spé qui est passé, c'était juste incroyable la chance que j'ai eu dans le Battle Road. Et c'est pour ça que c'est passé, regardez, il a 10% et il prend quand même une double attaque spé, c'est genre incroyable. Et franchement ça m'a pas mal arrangé parce que du coup j'avais pas réuni les bons items. Mais le dragon il a quand même servi un hein, 35% de réduction pendant 2 tours, c'est pas rien non plus, mais bon j'aurais préféré du heal. Et là je me disais est-ce que je pars en spé. Et là j'appuie sur la boule de ki. Il se passe quoi? On part en spé, super. Alors là je vous dis même pas comment j'étais dégoûté à une boule de ki près, quoi, je partais pas en spé. Et du coup voilà hein, c'était la tristesse assurée tout ça. Après je me disais c'est pas si grave que ça non plus parce que il me reste quand même vraiment pas mal d'items pour la dernière phase. En plus en face ils sont que deux, c'est Fatbou et Babidi. Donc ça va, c'était pas assez... Là franchement j'étais quand même assez serein. Le seul truc qui me mettait un peu mal c'est le fait de pas avoir de fantôme. Après c'était pas si grave que ça parce que j'avais quand même pas mal de réducteurs de dégâts. Attention, 1 200 000. Ok. 1 212 863 pour être plus précis. Là on va arriver sur la dernière phase. La dernière phase du coup. Alors, là dans la rotation j'avais qui? Ah oui, du coup là en fait on a une rotation où ça tank super bien. Et une autre rotation où ça tank moins bien, mais ils font beaucoup de dégâts. Enfin le Gotenks, franchement. Sans Gotenks SSJ3, on fait pas le super, on le fait pas en super endurance sur la globale en tout cas. C'est pas possible. Là, j'ai fait ça pour faire tanker les SP ou les auto-attaques parce que le Trunks LR il a beaucoup plus de défense que le Gotenks. Le Gotenks il a vraiment pas beaucoup de défense hein, quand je regarde ses stats. Au niveau de la défense, il est très léger, mais c'est largement compensé parce qu'il a vraiment d'énormes dégâts hein, grâce à son boost. Abusé. Gotenks, je crois que c'est un des meilleurs cogneurs du jeu. Hein. Enfin, orné au LR, tout ça, mais. C'est un des. C'est... Attendez, si je devais faire. Dans les Neo Gods, c'est. À mon avis, il est dans le top 3 très très facilement. Parce qu'il. Il fait beaucoup trop mal. Démarre en spé 1 700 000, là, si j'ai bien lu. C'est n'importe quoi. Et boum, le 1 500 000 qui part, putain, en Battle Road, mettre 1 500 000 de dégâts, je sais même pas si vous vous rendez compte à quel point c'est hallucinant. Et même tanker des autos à genre 500 ou 6000. Bon. Tanker des autos à moins de 10 000 dans le Battle Road, c'est vraiment hallucinant aussi. Donc voilà. Là, j'étais serein, franchement, je me suis dit c'est bon, j'ai utilisé un item, tout ça. Là, j'ai fait exprès de pas prendre les orbes endurance pour les garder pour le Trunks LR plus tard. Du coup, là, j'ai essayé de gérer au mieux les orbes de ki, ça s'est pas mal passé du tout. Hein. On peut voir que j'ai bien fait. Là, il me semble que je vais tuer le Babidi sur ce tour-là. Les contres de Végéto qui font vraiment trop mal. Et là, rien que pour ça, je suis tellement heureux d'avoir mis l'esquive dessus. C'est une auto-attaque, on n'aurait pas pris énormément de dégâts. Mais bon, c'est toujours plaisant de voir une unité dodge. En tout cas, pour ma part. Là, c'est pas 684 000. Et en plus, il repart en spé. C'est juste trop bien, quoi. Les attaques supplémentaires, là, dans cette team, Pendant ce Battle Road là, c'est allé tout seul quoi. On dirait qu'ils avaient ça en passif tellement qu'ils l'ont proc. Le critique. Là, le SVB qui démarre à 1 million, c'est énorme. Il est avec le support. Et là, il re-auto-attaque, il met un critique. Ça nous met bien. Et là, il recritique en auto-attaque. Mine de rien, là, il a fait 3 auto-attaques à 600 000 quand même. Du coup, ça a infligé 600 000 de dégâts en tout. Il a mis un contre à 700 000. Là, par contre, j'étais vraiment choqué des dégâts qu'il avait mis. Je me suis dit, mais genre, what the fuck, depuis quand tu tapes aussi fort en contre, toi, 700 000 alors qu'il n'y avait qu'un support dans le tour. Là, j'ai utilisé mon dernier item. Hein. Enfin, ça me paraissait logique de faire ça, de toute façon.
Et là, je me suis dit, c'est bon, là, on va le finir. Si c'est pas ce tour-là qu'on le finit, on le finira le tour prochain. En plus, pour la dernière phase, du coup, j'ai réussi à faire partir mon Trunks LR en spé. En spé ultime. Parce qu'en spé, ça va, c'est facile. Là, j'ai fait ça, j'ai mis le Gotenks qui bloque la spé en deuxième parce que je savais qu'il allait pas. Enfin, que de toute façon, elle allait pas revenir cette rotation. Et je me suis dit, autant essayer de bloquer sa spé maintenant. Comme ça, si on doit se prendre une spé à la fin, on ne prendra pas trop cher. Et là j'ai fait ça, j'ai essayé de partir en spéance de qui, malheureusement c'était pas possible, mais c'est pas grave. Là on a pris quand même des autos qui faisaient assez mal, même avec le réducteur de boost, et le fait que ça soit le LR qui tank. Et là j'ai espéré un critique, et il en a mis un, 1 598 000, je sais pas combien, et la double attaque spé qui reproc encore, putain. Je sais pas le nombre de spé qu'il y a eu pendant ce Battle Road en double là, mais c'était hallucinant. Là le Gotenks bloque la spé, là je me suis dit... Si je l'avais Dokkan, en fait, je l'aurais fini. Si je l'avais SP10, Dokkan et tout, là, pour ce Battle Road, il aurait déjà été fini. Après, là, je me suis dit, est-ce qu'il va crit, là, le Gotenks? Il a pas crit, du coup, on l'a pas fini. Il aurait genre un poil d'HP, mais bon, c'est pas grave, on avait bien fait bloquer sa SP avant. Et là, bah, là, il y a plus de surprise, hein, on va le finir. Enfin, déjà, je pense que j'ai dû me spoil tout seul pendant que j'étais en train de commenter le gameplay, mais je l'ai réussi, hein, du coup, là, il y a pas photo. On avait bloqué sa spé, et là il va mettre un contre et hop là c'est fini. On s'est mis bien, 319 800 je sais pas combien parce que j'ai pas eu le temps de voir. Donc voilà, hein, c'était encore la suite de mon périple sur ce fameux mode qui ne fait pas rager du tout. Il me reste plus que la super tech à passer, j'espère la réussir un jour. Du coup là ouais on peut voir que j'avais mis 14 minutes 7 la dernière fois que j'avais fait un offline il y a 3 jours et il me restait même 2 items encore, c'était pour vous dire à quel point j'avais pas respecté le Battle Road. Là je me suis trompé d'item, le Gotenks il est même pas Dokkan et je l'ai réussi, en plus on part en Trunks LR et en Gotenks on a 30% de stats en moins, donc le jour où j'aurai Gotenks qui sera Dokkan et le Gotenks SSJ3, le Super Endurance, ça sera easy peasy, on se mettra bien. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, merci d'avoir regardé, ciao !